capable de gagner l'attitude pour nous apprécier le talent jeune chanteur ça, Baby. Baby Joe. Est-ce que Masco pas arrivera à faire sa route en dehors d'Haïti sans Gracia Delva? C'est la question qui reste posée. Et... Mais c'est évident que il y a un gros plomb dans Pieli, ou chaîne qui est dans Pieli, avec l'attitude ça que Gracia va gagner pour aller aux États-Unis. Ce n'est pas parce que les États-Unis c'est la terre promise, c'est parce que c'est justement aux États-Unis que tout se passe ces jours-ci en majorité, et comme champ d'action, comme champ d'expression pour la musique haïtienne. Donc c'est évident que c'est un manque à gagner l'impossibilité pour cette formation de rentrer aux États-Unis. Donc quel est l'avenir de cette formation en fonction de cette réalité? La question reste posée. Est-ce que Gracia, car ils vont côté que les gains suffisamment de grandeur pour le temps dit que la baye Baby Joe plus présence pour que rêve masquant par continuer, pour que rêve la pas limité à lui. Je me pose la question et je n'ai malheureusement pas la réponse. Ce qui est certain, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui, les maptes de masquant pas pour me dire que son bon jazz, un jazz qui a joué bien, un jazz qui gagne un bon travail à faire. Là, on a parlé de compas direct. Ça a été tout ça qui caractérise compas direct là en lui-même aujourd'hui dans masse compas. Démarche musicale là, li essentiellement compas. Ça veut dire que j'entends bois jouer, Jean Gong a jouer, Jean Batga a jouer. Vous êtes ces deux monde qui vraiment soucieux priorité en dedans compas. L'autre aspect c'est que masse compas gon jeune demoiselle qui a fait chorale qui est assez efficace dans travail li. Ça veut dire que elle a fait harmonisation dans chorale là, li très intéressant. Et puis, parce qu'on a un bon grand chanteur en la personne de Baby Joe. Donc, moi-même, ce qui me fait des fanatiques, et pas quitter avant que ça a fini. Si tu as une possibilité comme Zimnazo pour que une pétition soit faite pour Masco pas rentrer aux États-Unis, même sans Gracia Delva, je sais que ça va être difficile pour vous, mais il faut que tu jeune la chasse du tout. Nous ne pouvons pas prendre ce jeune là et puis nous t'arrêter tout le temps à vivre à l'ombre de Gracia. Il faut l'aider à grandir. Il faut le positionner de telle façon à ce qu'il puisse bénéficier de l'appui du public. Et c'est à vous de faire ça. Naturellement, c'est un travail de sensibilisation qui doit être fait au niveau de la presse. Mais également, vous, capteur de la Jodia, il faut mettre la tête nous que là, nous avons un jeune garçon qui a un talent qui apparaît, quelle que soit la difficulté qu'il y a sur votre lit, c'est pour nous aider à traverser ces difficultés. Il faut l'encadrer. Donc, je lance ce message là. Un masque passe en Gracia Delva, ça paraît impossible. Ça paraît difficile, mais ça ne paraît pas forcément impossible. Parce que c'est clair que si jazz n'est pas capable de déplacer beaucoup plus le côté comme Zimnazo que compas direct à jouer en permanence, ça va être difficile. Naturellement, on a pour connaître que gain au marché et qui est disponible, soit peut-être au niveau de la France, à mon avis. Au niveau de la Caraïbe francophone, notamment au niveau des Grandes Antilles, c'est encore possible. Mais pour une raison ou une autre, au niveau de la perception, tout autant de jazz à Paca vide aux États-Unis, il y a tendance à mettre dans la catégorie 3, la catégorie 4. Donc moi, je pense que la tournée qui était annoncée pour Mas Compas, s'il y a possibilité, on devrait malgré tout persister dans cette voie, même sans Gracia Delva. Mais pour ce faire, il faudrait que le public se mobilise pour accueillir ce jeune chanteur, Baby Joe. What the? Alternative Plus, Brachel, pas de mentir la donne. S'il pas sérieux, on va camper de elle parce que c'est lui qui a fait le bien, j'en suppose, fait là. Ok? Bah!